paquet, ça fera l'affaire. Essaie de m'avoir, vas-y! Ça, c'est tout moi! On leur pense de plus! Tu cherches les emmerdes, c'est ça? D'autres a vu? C'est bon travail, le drone.
toi en matière d'armes. Quant à la C'est dur, non? Yeah!
Bon alors, t'as vraiment la carte? Évidemment que je l'ai, Faucon Ardent. J'arrive toujours à mes fins. Tu peux m'appeler Lilith. T'as la carte? Super! Alors, est-ce que t'as croisé mes éclipseurs? Et pourquoi tu sens la poussière et la peau? Exterminé, jusqu'au dernier. Par Tyrin Calypso. Condoléances. Merde! J'avais tellement de choses à leur dire! Oh! Non! Non, les éclipseurs ne pleurent jamais! Si Tyrin Calypso veut une putain de guerre, elle va l'avoir! C'est la guerre! Je savais que les descendants étaient dangereux, mais c'est encore pire que ça. Au moins, t'as trouvé la carte. J'aurais jamais cru revoir cette carte un jour. Mais c'est plus qu'une simple carte. On s'en est servi pour ouvrir les autres arches sur Pandore. Toutes les arches ont besoin d'une clé. Bon, on va jeter un œil. Ça fait longtemps. Elle est pas chargée. Attends, je m'en occupe. Merde, ça marche pas. C'est pas normal. Je devrais pouvoir la charger. On a besoin d'aide. Il n'y a qu'une personne sur cette planète qui comprend la technologie éridienne. Patricia Tanis. Elle a un site de fouilles de l'autre côté de la vallée. Apporte-lui la carte. Je t'en rejoins dès que je peux. Je dois m'occuper de 2-3 trucs pour notre vaisseau. Mais bonjour, chasseur de l'arche. Alors, t'as la belle forme aujourd'hui ? Je préfère autant avoir la classe. Hé, hey, Proto, qu'est-ce que tu peux me dire sur ces figurines des DDA? Les descendants de l'Arche ont placé ces petites figurines immondes absolument partout. Tu sais quoi? On va donner une bonne leçon à ces faux dieux pourris et fabriquer nos propres idoles, à mon image. Ouais, excellente idée. Depuis ma mâchoire, Kirill, jusqu'à mes mollets galbés. Commence par récupérer mes avis de recherche. Tu verras, il y en a plein. Si on veut réussir notre coup, il va nous falloir ces photos de moi pour les fourrer dans ce scanner 3D. Comme ça, on pourra imprimer des figurines qui me ressemblent trait pour trait. Et ça m'est avis que ça fera bien chier les Calypso. Je suis pas passé de comptable chez Hyperion à chef de guerre bandit pour redevenir un larva. Mais quand j'ai refusé de rejoindre sa secte débile, Tyrin a collé une prime sur mon petit cul potelé. Et sur tout le reste aussi. Mais je suis toujours là, toujours chaud, toujours en forme. Ah!
Bonjour à vous qui piétinez mon irremplaçable site de fouilles si cher à mon cœur. Je peux vous aider? Vous êtes Tanis? En effet, vous devez être le nouveau chasseur de l'Arche de Lilith. Et vous avez trouvé la carte? Je suppose que je dois vous féliciter. Voilà qui est fait. Allez, laissez-moi regarder. Pendant que j'examine cet artefact alien incroyablement complexe et inestimable, vous pouvez attendre dehors et voler tout ce qui n'est pas cloué. Je dois me servir de vous pour réfléchir à haute voix à mes hypothèses. N'allez pas prendre ça pour une conversation. Comme je m'en doutais, Tyrine Calypso est une sirène. Tout porte à croire qu'elle aspire la force vitale des gens et qu'elle s'alimente grâce à sa secte. Pour l'instant, les arches renferment une puissance immense et je n'ose pas imaginer ce qui se passerait si les jumeaux Calypso les trouvaient avant nous. Entendez des cris ou c'est moi qui fais encore une attaque? Peut-être. J'entends tout le temps des cris, à vrai dire. Salut, super fan! Alors, cette carte, ça avance? Passe-la à moi et tu pourras rejoindre notre famille. Mais quoi, comment ça, tu veux pas? Ok, je t'aurais laissé une chance. Tu me déçois. Adieu, les trouillards écarlates! Troïva! Oh, c'est beau, ça, les trouillards écarlates! Enfin, bref, mon frère va diffuser sa mort sur tout l'école! Fais un effort pour essayer de pas dire de conneries. De toute façon, j'ai pas fait. Si tu te fouilles, et ce n'est pas le genre de belle surprise que j'espérais. Je suis en route. Écoute-moi bien, recrue. Les laisse pas toucher à Tanis ou à la carte. Je pensais pourtant passer un bon moment. Chapitre dans ma saga. Attrape! Ok, recrue. On va s'occuper de ceux qui restent. Protège la carte! Par ici! Fais-moi voir tes yeux! Bon, bah, j'ai plus de balles. Ça va tout bien
place pour moi. La grande âme, c'était du gâteau. Dannis, tout va bien? Non, mais vous êtes dans mon espace personnel, alors par pitié, finissons-en. Dites-moi que vous avez réparé la carte. J'ai fait ce que je pouvais, Lilith, avec mon intellect supérieur, malgré mes ressources limitées. On fait un essai? À présent, ça devrait marcher. Certaines données sont corrompues. Il semble que la carte ait subi d'importants dégâts. Hypothèse, Tyrin Calypso a tenté de charger la carte, mais ses pouvoirs n'ont fait que la vider un peu plus. Malheureusement, je n'y discerne qu'une seule planète. Prométhée ? Bien sûr ! C'est là que Typhon de Léon a trouvé la toute première arche, vous savez. Prométhée. Beau travail, Tanis. Donc, en route pour Prométhée ? On dirait bien. Il faut qu'on trouve cette arche avant les Calypso. Ellie nous a préparé un vaisseau. Je m'occupe d'y emmener Tanis et la carte. On se retrouve sur la plateforme, chasseur de l'arche. Oh, vous savez que j'ai horreur de ça, Lilith. J'essaie juste de protéger mon experte en Eridien. Vous en connaissez une autre, peut-être? On est prêt? Voyage, Lilith. Alors on y est, c'est ça? Après toutes ces années. Eh oui, ça va le vaisseau? Il est presque prêt. Il manque plus que du carburant et une puce d'astronave. Chasseur de l'Arche, tu peux aider Ellie à préparer le vaisseau? Je vais regrouper les pillards et les amener à bord. Ouais, pourquoi pas? Ok, à plus, Lilith. Reste bien sur tes gardes, Ellie. Les Calypso vont pas nous laisser partir aussi facilement. J'ai un petit cadeau pour toi, chasseur de l'Arche. La caisse là-bas roule au biocarburant, et elle a... Bon, si jamais la bagnole a l'idée d'exploser, comme c'est la coutume sur Pandora, t'auras qu'à revenir et je t'enfilerai une autre, ma petite caille. Comme je t'ai dit, tout ce que t'as à faire, c'est rouler sur des bandits et des skags. Cette puce, on décolle. Il nous manque plus qu'une puce d'astronave. On en a besoin pour la navigation spatiale. Tu devrais pouvoir trouver ça dans une vieille épave de dalle. Ah.
papa nous disait que c'était pour notre bien, que le reste de l'univers était rempli de bandits prêts à nous démembrer. Et quand on a fini par en sortir, on a découvert qu'il avait raison. Les bandits jusqu'au bout de l'horizon. Les bandits, c'était ça, la plus grande ressource non exploitée de la galaxie. Ils sont des milliards partout dans l'univers, des vestiges humains abandonnés après la guerre des sociétés. Ils sont brisés. Mais on les fait sentir précieux. Alors ils se battent pour nous. J'ai peur. Parce qu'ils ont enfin un endroit à eux, une famille, ma famille. L'univers leur appartient, à condition de m'obéir. C'était pas au programme, ça. Enfin, si j'avais un programme.